Bah, bonjour à tous. Comme vous le savez, cette année, nous sommes au Salon de Lyon, Motomag, motomag.com, à un stand. Et donc, on est allé un peu faire le tour de ce salon, qui est assez incroyable, parce qu'il est d'abord, il est gigantesque. Et en plus, il est très humain, c'est-à-dire qu'il y a plein de places, il y a effectivement les professionnels, il y a les constructeurs et tout, mais il y a surtout toutes les disciplines. Et moi, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour la discipline qu'on appelle la montée impossible. Alors, je vais essayer de vous faire découvrir à la fois ce que c'est, et surtout, je vais vous présenter une machine qui, pour moi, a l'air la plus aboutie du championnat. Voilà, on y va, vous allez voir, c'est incroyable. Je me retrouve avec Thierry Toussaint. C'est lui qui m'a fait découvrir la montée. Ça s'appelle Montée Impossible ? Ouais, la Montée Impossible. D'accord. C'est un championnat de France ? Alors, il y a un championnat de France, il y a 4 courses. Ouais. Et il y a d'autres courses hors championnat. Voilà, il y a 5 courses en plus. Et c'est affilié à FFM, donc c'est un vrai. Il y a une licence ? Il y a la licence, il y a le règlement propre à la discipline, il y a tout. Alors, la montée impossible, tout le monde connaît, on en a vu sur YouTube. C'est quoi le règlement ? Techniquement, il faut monter le plus vite possible une montée. C'est quoi le but, en fait, concrètement ? Celui qui gagne, c'est celui qui a fait quoi ? C'est celui qui est monté le plus vite. Ou alors celui qui est monté le plus haut. D'accord, donc en fonction de la difficulté, soit beaucoup arrivent en haut et c'est le chrono qui départage. Ouais, beaucoup, hein. Des fois c'est 4 ou 5, hein, ou même 1. Hein. Des fois il n'y en a qu'un de la journée. Un qui arrive à monter, ouais. Et tous les autres, ils... ils galèrent. Donc si le premier est arrivé, donc il a gagné, le deuxième c'est quoi ? C'est celui qui est monté le plus haut ? Ouais, voilà, ouais. C'est... Voilà. Alors évidemment, c'est des machines un peu spéciales, vous avez toutes vu leur gueule. Donc Thierry va nous présenter la sienne parce que franchement, c'est un truc de malade, quoi. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie dans la technique. Bon, on va voir ta moto. Donc Thierry, je me suis baladé un peu, j'ai vu les motos, mais je t'avouerai que la tienne, elle m'a bluffé. Donc j'aimerais que tu m'en expliques un peu plus. Déjà le moteur, je crois reconnaître certaines pièces, mais explique-moi un peu en gros la cylindrée et comment tu as construit ce moteur, avec quelle partie mécanique. Alors à la base c'était un 888, un Ducati, donc c'est un vieux moteur, hein, il a 25 ans. Et il reste que les culasses. Le vilebrequin, c'est un vilebrequin 916 qui a un petit peu plus de course. Je peux pas en mettre plus, hein, après ça passe plus. Alors il y a un embrayage de GSX-R et plus de boîte de vitesse, plus rien du tout. Et le reste, c'est taillé dans la masse. Alors en fait, si j'ai bien compris, tu as des culasses Ducati, un vilebrequin Ducati. Ouais. Par contre, les carters moteurs et les cylindres, c'est toi qui les as fait. Ouais, voilà, ouais. Les cylindres sont taillés dans la masse et puis dedans, c'est des chemises de tracteur. Alors, c'est marrant parce que tu nous dis, ouais, c'est moi qui les ai fait, ouais, mais enfin, comment tu fais ça ? Parce que moi, pour moi, c'est de la technologie usine, quoi, aéronautique. Comment tu fais concrètement ? Tu fais les plans ? Explique-nous un peu comment toi, un particulier, on va dire, arrive à faire des carters moteurs et des cylindres. Alors, ben, la première version qui est cassée depuis, c'était j'ai tout fait sur des machines traditionnelles. Donc tour fraiseuse, commande numérique ? Non, pas commande numérique, tout au traditionnel. D'accord. Avec un plateau, enfin bon, bref, j'ai passé un temps fou. Ouais. Ça a cassé, et là j'ai tout refait en 3D, sur un modeleur 3D. Donc un logiciel 3D qu'on utilise pour faire des pièces industrielles, quoi. Ouais, exactement. Parce que bon, là c'est ric-rac, hein, tout passe ric-rac, les vis de bielle ça passe tout près, je peux pas gonfler plus en cylindrée, à l'aisage court je peux pas plus, je suis à toc, et puis il fallait que ça reprenne l'encombrement de ce qu'il y avait avant. D'accord. Et je voulais aussi quelque chose de propre, donc voilà, j'ai fait tout, tout était conçu, et puis là sur ce moteur, comme je pouvais tout faire très précis, et j'ai plus aucun ajustement. Je monte tout comme une moto japonaise en fait. Clac, clac, ça se monte comme des Lego et puis ça marche. Donc en fait, tu fais les dessins en 3D, tu donnes les dessins, enfin les fichiers à un usineur, puis la machine te fait les carters comme exactement tu les as dessinés, c'est ça ? Alors les deux demi-carters centraux, oui, mais ouais. Tout le reste, je l'ai toujours fait à la main là. C'est fini, j'ai fait tout en la traditionnelle. D'accord, et tu m'as dit que
dans tes cylindres à l'huile, c'était chemisé, ouais, avec des chemises des cylindres de tracteur. Ouais, chemisées fonte, ouais. Donc c'est des chemises de tracteur qui valent, ça vaut rien du tout. C'est déjà, c'est quasi tout prêt, quoi. Faut juste les raccourcir, faire les finitions et puis hop, voilà. Bon, après j'ai dessiné le cylindre qui va autour pour que ça convienne bien, quoi. Et les bielles, c'est quoi? C'est des bielles en titane. Bah, les bielles en titane, là je les ai faites au traditionnel, mais avec un copieur, au tour traditionnel. Et voilà, au départ, je voulais être sûr que ça tienne, parce que des carters taillés dans la masse, je n'avais pas envie de les casser à cause d'une bielle, d'un défaut de bielle ou voilà. Et puis bah là, voilà, donc c'est des bielles que j'ai faites, puis elles sont sur mesure, elles correspondent même pas aux cotes, c'est des cotes qui correspondent pour ce moteur, c'est tout. D'accord, donc tu t'es dit, tiens, je vais faire mes bielles titane, parce que dans le commerce, il n'y a rien qui me convient. Voilà. Donc, tu as fait des bielles titane. Alors, j'ai vu, on en a parlé, elles sont cylindriques, c'est-à-dire qu'entre le pied et la tête, au lieu d'avoir des bielles, ce qu'on appelle en H, classique, j'ai vu qu'elles étaient, elles étaient creuses, c'est ça? Ouais, c'est des bielles tubulaires. En fait, c'est... Non, mais... Ouais, mais... Enfin, ça paraît comme ça, parce que dans notre tête, une bielle, c'est en H ou une forme, voilà. Enfin, dans la tête de tout le monde, hein. Voilà. Mais en fait, ce qui est costaud, le plus costaud, c'est des tubes. D'accord. Donc ça me permet de descendre beaucoup en section en gardant une énorme rigidité et quelque chose de solide. Par contre, le problème, c'est que le trou, il faut le boucher. Hein, parce qu'il faut bien le percer par un côté ou par l'autre. Oui, parce qu'il arrive dans la tête de bielle. Voilà. Donc il y a un trou, d'accord. Voilà. Donc je présume que tu as mis un cache. Une espèce de coussinet que j'ai réusiné une fois monté pour pouvoir après mettre les coussinets normaux. D'accord. On finit sur la mécanique. Donc c'est quoi la cylindre exacte? Là, c'est une 1040. 1040, ok. T'as plus de boîte de vitesse, si j'ai bien compris? Non, il n'y a plus de boîte de vitesse. Le vilebrequin est en prise sur l'embrayage et c'est l'arbre d'embrayage sur lequel il y a le pignon de chêne. Alors, comme j'ai un arbre en moins, forcément, ça tourne dans le mauvais sens. Ouais, exact, ouais. Donc, le moteur, j'ai retourné. Et il tourne à l'inverse. Il tourne dans le sens inverse. D'accord. Donc, le moteur, il est contrarotatif aux roues, le vilebrequin. Exactement. D'accord. Alors déjà, vous avez vu, rien que la mécanique, c'est un truc d'une autre planète. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles, parce que pour que ça avance, il faut l'alimenter. Et là aussi, on passe à cap supérieur. Donc, explique-nous, pour faire avancer ce moteur... j'ai cru comprendre que tu n'avais pas mis des carbus de 40. Donc vas-y, explique-nous ce qu'il faut pour que ça déboîte. Alors c'est une injection programmable. C'est un petit boîtier standard qu'on trouve aux États-Unis, hein, qui n'est pas cher, mais qui est bien, qui marche bien. Et j'étais obligé de mettre ça au début parce que je voulais mettre du méthanol dedans. D'accord. Donc à l'époque, c'était en 96. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait mettre en gros le double d'avance et le double de débit. Le double de carburant injecté. Donc ça, pas le choix. Fallait une injection programmable. Donc... Et alors, je te coupe. Pourquoi le méthanol? Parce que c'était tout de suite ce qu'il y avait de plus performant par rapport à l'essence de cross, par exemple. Tu sais, l'essence qu'on utilise en GP ou choses comme ça. Le méthanol, c'était une obligation? C'est un carburant intermédiaire pour le dragster, en fait, le méthanol. Donc je peux comprimer à 17. Et le fait d'en injecter deux fois plus... Dans le méthanol, il y a une petite quantité d'oxygène. D'accord. Donc on n'est pas obligé d'avoir autant d'air pour la même quantité de méthanol. Mais comme on a la même quantité d'air, on met deux fois plus de méthanol. Et là, avec le taux de compression et le carburant, en gros, hein, moi, après peut-être qu'un 888 d'origine, ça tire pas trop. Moi, j'étais au double, voilà, au double en puissance, en couple. Mais je gardais les courbes, c'était des courbes de couple de puissance identiques, mais deux fois plus. D'accord. Et le méthanol, j'ai cru comprendre qu'il fallait que tu injectes de l'eau, c'est ça? Enfin, de l'eau, explique-nous, parce que pour beaucoup, l'idée que de l'eau ait un rendement pour faire avancer un moteur, on n'est pas habitué à ça. Donc, pourquoi de l'eau et comment tu l'injectes? Bah, c'est un copain qui m'a dit, en aviation, ça existait les injections d'eau dans les moteurs comme ça. Et puis on en parlait, puis je suis rentré, j'ai regardé un petit peu sur Internet, puis effectivement, pendant la guerre, ils injectaient de l'eau dans les moteurs pour avoir plus de pêche. Ouais. Et comme le méthanol, c'est miscible avec l'eau, hein, c'est comme, tu mets de l'eau dans du vin, dans, voilà, c'est complètement miscible. Non, alors, je le coupe, on met jamais d'eau dans le vin, ça c'est un péché ça.
Donc voilà, j'ai mis de l'eau dans le méthanol et j'ai essayé. Bon, je te cache pas, quand j'ai fait mon mélange, que j'ai mis mes petits traits pour mettre de l'eau dedans, c'est un peu contre nature, quoi. Mettre de l'eau pour faire marcher un moteur, c'est... Voilà. Bon, ben, sans changement. Bon, les réglages étaient approximatifs à l'époque. Enfin, là, ils y sont encore parce que c'est pas fini d'être développé. Mais comme j'avais pas de problème pour ajouter de l'eau au niveau richesse, je l'ai fait. Mais en fait, le ralenti, il est passé de 1000 à 1300 tours. Mais comment tu t'es dit, je vais mettre 10% d'eau, 20% d'eau J'ai mis 20%. Et après, en me renseignant, j'ai vu qu'on pouvait mettre plus. Et aujourd'hui, tu mets combien pour avoir un bon mélange? Je suis resté que là au test. Donc, il démarre. Il n'est pas réglé en richesse, en rien du tout. Donc, il démarre quand même. Il ratatouille un petit peu. Bon, voilà, là, je l'ai monté tout propre, mais ouais, définitif pour le salon. Et maintenant, je vais faire tous les réglages, tout ce qu'il faut pour le faire bien marcher. Donc là, tu es méthanol et 20% d'eau? Que méthanol pour l'instant. Là. Que méthanol, d'accord. Ah non, je pourrais pas mettre d'eau parce que les richesses commencent. Enfin voilà, bref, là, tout de suite là, je pourrais pas mettre d'eau. D'accord. Mais pour courir, tu vas mettre de l'eau. Ouais, enfin, si ça marche, hein, mais je pense que ça va marcher. D'accord. Et évidemment, comme le méthanol, tout le monde sait que c'est un carburant de merde qui suffit pas à carburer, j'ai cru comprendre qu'en plus du méthanol injecté avec de l'eau, tu as rajouté encore le petit plus, quoi. Ouais, j'ai mis le nitrous, mais bon, c'est. Alors, la manière sage de voir ça, c'est que ce moteur jusqu'à 8000, ça va, et de 8 à 12500, il allonge, mais il, voilà, il perd un peu sa flèche. Il avance plus entre 8 et 12500. Donc, comme l'injection de nitrous peut être gérée par le calculateur, j'ai deux sorties sur le calculateur. Donc, j'ai deux niveaux d'injection nitrous. Et là, j'ai réglé les débits pour que la courbe de puissance continue à monter sans que ça vienne d'un coup, quoi. Parce qu'après, quand on est limite en montée, faut pas que ça se retourne, quoi. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu roules au méthanol, ouais. Et puis un moment, quand tu demandes plus de gaz, tu as une première, on va dire, un premier stage de nitrous oxyde. Voilà. D'accord. Et quand tu es au bout de ta vie et qu'il faut que tu gagnes, tu as un deuxième stage. Voilà. D'accord. D'accord, bon. T'as une idée à 12 000 tours avec le nitrous à fond, combien tu sors de chevaux? Ah, le moteur là, c'est pas les chevaux, c'est on va dire c'est plutôt le couple. Le couple à 6-7 000, c'est vraiment impressionnant. D'accord, tu estimes à combien? 14-15 mètres kilos de couple? Franchement, je sais pas. Mais c'est. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont le dessus sur le moteur en fait. C'est en gros. Faut y aller quoi. En gros, t'es un peu le coq de la basse-cour quoi. Bon, ok, alors donc on a vu le moteur, c'est pratiquement fait main quoi, à part comme on a dit la culasse, le vilebrequin. On va passer aussi, il y a un système de. C'est un carter sec, donc t'as une pompe à huile externe aussi qui est commandée par un de tes arbres à cam, j'ai vu ça, par une poulie externe. Ouais, tout à fait. Donc en fait, voilà, Thierry Toussaint, c'est un peu le jeu trouve tout au niveau mécanique, parce qu'honnêtement, moi, j'hallucine, quoi. C'est vraiment technique et tout, c'est exceptionnel. On va passer au cadre, à la partie cycle, parce que de loin, on dirait une moto de cross, ouais. Mais en fait, à part la fourche avant et la roue avant et le frein avant, le cadre, il vient d'où? C'est sur mesure, c'est complètement sur mesure. C'est un petit peu par expérience que voilà, on essaye une moto, on essaye une autre. Et puis là c'est construit comme une moto de cross. On monte dessus, on s'y sent bien. Voilà. C'est fait un châssis qui est plaisant, facile à prendre en main, pour justement pouvoir avoir le champ libre pour le moteur, quoi, pour se lâcher. C'est quoi la matière de ton cadre? Alors c'est du 25 CD4, c'est ce qui se fait dans les cadres de qualité, on va dire en aviation, tout ça, voilà. C'est un tube vraiment costaud. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le chrome molly? Exactement. Donc, et c'est toi aussi qui l'a dessiné, qui l'a cintré? Alors celui-là, il a 10 ans, là il est remis à neuf. Il était fait au marbre, c'est plus par expérience. Là on met la fourche là, on la place la fourche, la colonne, on place le bras oscillant, l'axe de bras oscillant, le moteur. Et puis après on construit autour. D'accord. En fait, il doit être vachement léger le cadre, tout seul. Alors, il doit faire. C'est 1 km le tube, donc il doit faire à peu près, je sais pas, 5-6 kg. 5-6 kg, d'accord. J'ai remarqué un truc avant qu'on finisse sur l'arrière. Pourquoi tu as des durites qui vont dans ton cadre comme ça, là, hein, des durites a priori étanches? Alors le problème d'une injection, c'est qu'il faut une pression d'injection. Si on veut une pression d'injection, il faut une pompe et il faut une batterie.
donc du poids et de l'encombrement. Voilà. Donc j'ai supprimé la pompe, j'ai supprimé la batterie, enfin disons la réserve électrique supplémentaire pour la pompe, en mettant de l'air comprimé dans le cadre. Donc je gonfle mon cadre à 20 bars. Je détends entre... Tu gonfles ton cadre, ouais. C'est-à-dire ? Là ? Ici, là ? Avec une, genre une pompe à vélo, quoi ? Avec ma pompe à vélo. D'accord. Je mets 20 bars et ça, ouais, et ça se détend 3 bars dans le réservoir, qui est la pression d'injection. D'accord. Ah ouais. En fait, enfin là, je suis complètement perdu, là. Donc, tu t'es dit, tiens, le cadre, ça peut faire une réserve d'air. Ouais. Donc, tu arrives et tu pompes, c'est une pompe genre Décathlon, là. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, pour vous montrer, ça... Ça sert à faire avancer un moteur fait sur mesure avec injection d'éthanol, d'eau et de nitrous oxyde. Méthanol. Voilà, donc une pompe pour mettre la pression dans le cadre. Bon, j'hallucine. C'est terrible. Et on va finir... Elle sert aussi à purger le moteur en huile et à gonfler l'amortisseur. En fait, quand je démarre, je pompe. Quand j'arrête, je pompe. Et quand je la laisse trop longtemps, je pompe. Je pompe tout le temps, quoi. Et puis les pneus aussi, je parie. Ouais. Cette pompe gonfle des pneus aussi. on va finir. Alors évidemment, tout le monde voit. Vous avez des bras aussi interminables. Il y a une règle pour la longueur du bras. Il y a une règle d'empattement minimum 1m70. Donc c'est tu parles de l'empattement de la moto. Axe de roue avant, axe de roue arrière, 1m70. C'est un règlement où c'est... Règlement FFM. Donc ton bras, il fait combien, là ? 1 mètre ? Je crois qu'il fait 95 cm. Ok. Ouais. 95 cm. Et bon, c'est en 25 CD4 aussi. Aussi, ouais. Je vois que tu l'as renforcé, tu l'as aubané par le dessous. Ouais. Alors, il y a des renforts en Fortal, en 70-75 à l'intérieur, en plaques. Des plaques comme ça. Elles sont en manche et en force dedans. D'accord. Il y a un mono-amortisseur. Alors, c'est pareil. Moi, je le comprends pas. Je connais les amortisseurs oléopneumatiques, genre Fournalès. Mais moi, je vois que tu as un espèce de boîtier avec une durite qui part vers le moteur. Explique-nous ce que c'est que... Comme on n'est plus à ça près dans le Géo trouve tout, explique-nous ce que tu as conçu là. Alors, l'amortisseur, c'est parti de plusieurs constats. On utilise tous les white power sans biellette parce que c'est pratique à monter, mais bon, ça marche pas. C'est pas un amortisseur qui convient pour la montée impossible. C'est raide, c'est dur, c'est compliqué à régler. On n'arrive jamais à avoir quelque chose de vraiment. Voilà. Et j'avais fait sur le proto précédent avec la grosse roue là-bas, j'avais fait un amortisseur pneumatique. D'accord. Et au bout d'un moment que j'essayais de régler cet amortisseur white power, ça m'a gonflé. Je me suis dit, je vais retourner sur l'amortisseur pneumatique parce que c'est vraiment... Alors, ça apporte vraiment quelque chose. Ça apporte de la douceur, ça apporte du toucher, ça apporte tout ce qu'on veut. Il n'y a pas le comportement raide, irréglable de l'amortisseur white power. Alors, je me suis dit, je vais en refaire un. Et quitte à en refaire un, j'ai réglé le problème de... On raquette beaucoup, nous, hein, sur les motos-là. Parce que, voilà, le poids du bonhomme est là. La roue est là, quand on coupe, il y a zéro, il n'y a plus de poids dessus, et quand on accélère, il y a tout le poids dessus. Donc, il y a une amplitude de charge, on va dire, qui est complètement différente d'une moto de cross. Okay. Alors, j'ai voulu supprimer le problème de quand ça raquette, c'est-à-dire quand on coupe et qu'on arrive sur une marche ou une pierre, et là, paf, on passe au-dessus du guidon. Donc, j'ai relié l'amortisseur à la dépression, enfin au moteur, pour savoir si ça accélérait ou si ça coupait. Donc à la dépression d'admission. Exactement. D'accord. J'ai fait un système secondaire de clapet qui me permet d'avoir un réglage en accélération et un réglage en décélération. D'accord. Donc en fait, tu t'es inventé toi-même ton propre amortisseur semi-actif, en fait. Ouais. Alors ça existait chez YAM. Ouais. Sur des 125, je ne sais plus quand, ils avaient mis un petit câble depuis la pédale de frein jusqu'à l'amortisseur. D'accord. Alors, ça devait libérer un peu la compression. Et s'ils l'ont fait, c'est que ça marchait, effectivement, mais peut-être pas commercialement, quoi. Donc,
Il y avait ça, en combinant tout, je me suis dit, allez, j'y vais, je le fais, et puis on verra bien. Donc en fait, si j'ai bien compris, en fonction de la dépression de la mission, c'est-à-dire que quand t'es gaz en grand, il y a très peu de dépression, donc ça doit agir, et quand tu rends les gaz, ça augmente la dépression de la mission, voilà. Et en fait, ça te permet d'ajuster soit ta compression, soit ta détente, si j'ai bien compris. Exactement, j'ai les réglages en clapet, et puis moi bon, j'ai d'autres réglages, hein, tant que j'y étais. Oui, t'as raison, c'est vrai que ça, c'était trop simple, t'as bien raison. Donc tu t'es permis d'en rajouter. Non, mais c'est super. Bravo. Par exemple, comme elle n'est pas démarrée, je ne suis pas en dépression. Je suis en mode, je suis en réglage, comme si j'étais accéléré. D'accord. Donc ça fait ça. Donc j'ai une compression normale et une détente. Complètement ouverte. Voilà. Bon, ouais. Les settings, c'est monté, mais au pif. Donc c'est peut-être un peu exagéré. D'accord. Bon, bah écoute, on va finir vite fait, parce que tu me parles et tout, mais moi ce que je veux c'est qu'elle démarre après. On va essayer. Tu parles pas du pneu ? On va parler du pneu, mais est-ce qu'on va la démarrer après, parce que j'ai vraiment envie. Ouais. Elle démarre. Alors bon, tout est pas réglé. Tout est pas réglé, donc ça va pas être parfait. Ça va passer au banc, tout ça, mais, elle va démarrer. Elle démarre. Okay. On finit par le pneu avant le démarrage. Alors vous, regardez, alors on n'est même plus sur du crampon. On est, vous voyez, sur des petites plaques d'aluminium. À vue de nez, qui doivent faire quoi, 5, 6 000 ? 8. Assemblés ensemble, avec des écrous, des vis BTR pour accrocher. Le tout serti en force sur un pneu qui ressemble à un pneu d'une bagnole des années 20 ou des années 30. C'en est une. Ouais, c'est un pneu de vieille bagnole, ouais. Voilà. Il a retaillé pour passer et le tout est serti avec des gros câbles acier. Voilà, donc c'est pareil, c'est incroyable. Faut juste pas se faire rouler sur le pied parce que là, tu perds ton pied. Donc, franchement, Thierry, ta moto, c'est un truc de malade. Je te le dis franchement. Je me suis fait plaisir aussi, hein. Bah, je vois ça. Moi, c'est le coup de cœur du salon. Je connaissais pas la montée impossible. Enfin, je connaissais si j'avais vu des vidéos. Mon responsable m'a dit, Axel, faut que tu ailles voir, toi qui aimes la technique. Et franchement, là, j'ai halluciné. Je te félicite. J'ai jamais vu du jus de cerveau comme ça. Mais bon, c'est terrible, hein. Maintenant, je vais vous montrer le démarreur qui va essayer de démarrer cet engin de malheur. On va voir le démarreur parce que lui aussi, il vaut le déplacement. Bon, faut que je la gonfle d'abord. Ah oui, il faut qu'il la gonfle. Bon bah, on va filmer ça, on passera ça en accéléré. Mais je veux que je vous montre, on finit par le démarreur, c'est un truc de malade. Alors, vous avez tous reconnu une tronçonneuse Husqvarna. Et voilà, donc... Celle-là, elle marche à la nitro. Ah ben ouais, c'était trop facile qu'elle marche au mélange. Donc voilà, donc il a, voilà, pareil, c'est à l'image de sa moto. Donc une tronçonneuse, un arbre, une démultiplication et puis un démarreur qui vient s'en ficher sur le... Voilà, une roue libre pour démarrer. Donc, écoute, on va te laisser préparer, pomper et on essaie de démarrer la bête. A tout de suite. Alors, vas-y, tu commences par quoi? Bah, déjà, j'en mets. Je mets du méthanol dedans. Ah ouais, alors ça sent le méthanol? Ça a une odeur? Non, c'est un peu sucré. En fait, c'est donné comme toxique, mais c'est à peine plus toxique que l'alcool qu'on boit. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Voilà. Ça donc, pique un peu les yeux, voilà. Ça pique un peu les yeux quand c'est un peu... Non, c'est une odeur... Ouais, c'est bizarre, ouais. Alors, méthanol, allez, c'est parti. Fred, écarte-toi, ça pourrait te péter à la gueule. Ça explose, c'est comme quand t'allumes les petits trucs, quand t'allumes les petits trucs de fondu, là, en dessous. Ouais. C'est très doux, comme quand ça prend feu, c'est très très doux. C'est pas explosif comme l'essence. C'est pas dangereux du tout. En NASCAR, il roule au méthanol. Parce que, pareil, c'est facile à éteindre avec de l'eau quand ça prend feu. Mais on a oublié de parler de la consommation. Il fait combien de temps, les réservoirs de méthanol ? 2 litres. Et 2 litres, tu tournes combien de temps ? 2 minutes. 2 litres, 2 minutes. Voilà. Comme ça, c'est... Alors, remarque, pour calculer ta consommation, tu te prends pas la tête. Alors, là, c'est probablement... La partie la plus technique du démarrage, Thierry prend sa pompe à vélo et va nous mettre en pression son cadre. Mais ça fait école, hein, figure-toi. Il y en a beaucoup qui le font maintenant. Hein. Mais je suis sûr que c'est super efficace. Mais l'idée de le faire, c'est ça qui est incroyable. C'est de se dire, tiens, dans le cadre, il y a du vide. Je vais étanchéifier tout ça. Non, mais ça, j'adore. Alors, c'est parti.
Est-ce que t'as besoin de mettre, t'as pas besoin de mettre 20 bars pour démarrer? Non, non, justement, je vais mettre 7-8 bars, c'est tout. Allez, c'est parti. Et les Shadok, Pompey, Pompey. Ah mais ouais ça, et les Shadok, Pompey, Pompey. Voilà, comme quoi, hein, les bonnes vieilles recettes. Donc là, comme tu nous as dit, tu as mis 7-8 bars dans le cadre. D'accord, 7 bars. Donc ça va suffire pour mettre l'injection en... T'as besoin que de 3 bars. Ouais, à la pression, j'ai besoin que de 3 bars. Donc, comme en plus le réservoir est déjà un peu vide, ça me fait dans le réservoir une petite réserve. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, on a mis le méthanol, on a mis le circuit d'injection en pression. Tu dois mettre le contact, je présume, l'allumage. Voilà, ouais, c'est facile, hein, franchement. Et puis là, bah, écartez-vous parce que. C'est bon. Donc voilà, Thierry prend sa tronçonneuse. Ah, je démarre la tronçonneuse. Ah bon? Les bûcherons, ils connaissent. Mais... Alors voilà. Ça, c'est un démarreur. C'est moi qui vous le dis. Alors, on a mis le contact. T'as besoin d'aide? Non? Ok. Donc, il met la roue libre sur l'embrayage. Et c'est parti. Et voilà. Et ça tient même le ralenti. Ah mais c'est un truc de fou. Faut le faire chauffer un peu. Ouais, faut que ça... Ouais, hey Fred, filme, c'est un truc de dingue. Alors franchement, Thierry, c'est un truc de malade. Ça fait mal aux oreilles, hein. Ah, c'est... Non mais c'est... Quand on voit la technique, quand on voit tout ce que tu as fait toi-même, quand on voit la complexité de l'injection du méthanol, du nitrosoxyde, tu démarres ça comme on démarre une bagnole moderne avec un ralenti. Moi, je suis bluffé. Je te félicite, mec, parce que... Merci. Non mais c'est un truc de dingue. Franchement, je suis... Pour parenthèse, le ralenti, quand on développe un moteur, une fois qu'on a le ralenti, 90% est fait. Après, il n'y a plus que les réglages, on charge, deux, trois trucs. Mais voilà quoi. Donc il est pas encore fignolé. Ouais. Je l'ai démarré parce qu'il fallait que je le monte en définitif. Je n'ai pas envie de le redémarrer parce que j'ai oublié, le redémonter parce que j'ai oublié quelque chose. Je voulais le régler voilà, à la base. Et après, je vais me faire plaisir. Voilà. Écoute, où est-ce qu'on peut retrouver tes potes et toi là? Vous avez un blog, vous avez un site internet où on peut suivre les montées impossibles? Alors le mieux, c'est le petit site internet de Marc, agendaautomoto.fr. C'est marqué sur le camion, on mettra en bas. Et puis moi, ce que je te propose, c'est qu'on suive un peu toute ta saison, etc. Donc régulièrement, faut vraiment que tu nous envoies des vidéos, faut vraiment que tu nous envoies... Je vais essayer, voilà, je vais faire que tu es vraiment le coup de cœur de notre salon. Et on va venir évidemment voir une course. Ouais. Et franchement, Toussaint Racing, bah, ça assure grave. Bravo. Bah, merci. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, mais franchement, je suis sûr que vous allez adorer. Parce que quand on aime la mécanique, quand on aime les gens qui réfléchissent, quand on aime les passionnés, ça, c'est un truc de passionné. Ils gagnent rien. Il n'y a pas d'argent en jeu. Il y a une coupe à la fin, c'est tout. Ils s'investissent et tout. Moi, je dis chapeau, chapeau, chapeau. Et à bientôt sur les montées impossibles. Ciao.
Je suis donc dans le vidéomaton du stand Moto Magazine. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut pendant le temps qu'on veut. Enfin, c'est 30 secondes. Moi, j'ai déjà bouffé mon temps. La moto, elle m'a tout donné. Donc, je peux que l'aimer, la moto. Voilà. Une vie consacrée à la moto, une vie consacrée à écrire sur la moto, à rouler sur les motos. Une vie de merde, à les essayer. Une vie de merde. Voilà. Donc, j'ai tout donné pour cet engin de roue avec un moteur. Et je vais continuer à beaucoup lui en donner. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Motomag, motomag.com, et puis sur notre chaîne YouTube pour encore de la moto. Salut. Bon, alors, les jeunes motards, je vais vous dire quelque chose à laquelle j'ai repensé. La première fois que je me suis assuré pour une moto, un vieux motard m'a dit, les mecs qui n'ont pas peur en moto, il y en a plein les cimetières. Alors soyez prudents et soyez vigilants. Voilà. Moi, ce que je trouve honteux, c'est que sur les motos de police, j'ai vu les petites WR, et ben, y a des petites plaques. Alors que nous, on est obligé de mettre des grosses plaques qui gâchent la moto. C'est tout ce que je trouve honteux. Bonjour à tous, c'est JP1, président du Motoclub Iras du Thun. Je vous présente Roméo, notre tout petit jeune qui est coincé avec ce permis et cette loi de merde, avec une MTT2 où il a beaucoup de mal à trouver une moto parce que le permis, il est coincé. Je vous rappelle, le gouvernement a peut-être assouplir, puisque la loi change à partir du 1er mars, qu'elle est encore plus dure. Qu'il faut quand même permettre à notre nouvelle génération d'avoir accès au permis de conduire moto plus facilement. Là-dessus, ce serait quand même plus délicat. Merci et bon attendeur à tous. Ouais, bonjour, c'est le taureau de Bilbao. Je m'appelle Jean-Louis, je viens de Seine-et-Marne. Et en fait, je suis super content parce que j'ai pu rencontrer mon idole, c'est Axel Mellerin. Et c'est infernal, Axel Mellerin, c'est mon idole absolue. C'est un gars que je lis depuis que je suis gamin, tout petit même, puisqu'il est là depuis plusieurs dizaines d'années dans le métier. Et donc voilà, bon, c'est un mec qui me fait triper, qui me fait kiffer. Bon, on l'appelle souvent le pfff, comme ça, mais bon, c'est entre nous, en tout cas dans les lecteurs, on l'appelle comme ça. Donc il faut garder absolument ce gars-là parce qu'il est vraiment intéressant, il connaît bien son sujet. Voilà, c'est une grande gueule, mais on aime bien dans la moto les grandes gueules. Donc voilà, vive Axel Mellerin, vive Axel Mellerin. Alors la moto, c'est ma passion, c'est un plaisir la moto. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de rouler en moto. C'est vrai que beaucoup d'usagers, la route, il faut énormément faire attention aux autres. La sécurité, les moyens se développent, mais ça fait pas tout. Prudence avant tout. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est chapeau aux journalistes et à toute l'équipe de Motogaz pour tous leurs articles qu'ils font. C'est un vrai plaisir de les lire. Voilà. À très bientôt. Ciao. Ah, c'est parti. La moto, c'est un plaisir. Hein, chérie. Si tu le dis. Si je le dis, les voyages qu'on peut faire avec la moto. C'est tout magnifique, les paysages, pas mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Tout va bien, sur ça je suis d'accord. Ah voilà, c'est que du bonheur la moto. Franchement, il ne faut pas hésiter à en faire. Hein? Que du bonheur. Que du bonheur, que des beaux souvenirs. Oui, mais je suis un fidèle lecteur de magazine. Et je vous remercie pour la qualité de vos articles, et puis des articles toujours intéressants. Jamais partie prenante de... ce qui est pas bien, et puis au niveau de la sécurité routière, toujours des articles intéressants.